נבוא את המר רק אלופי לופיו והאר ויני דמת ומרה ומה 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 ומרה תפהיה נבוא את המר אהוה אהוה Permettre à chacun, à Tréty et dans les îles, en ville et dans les quartiers, d'être informé des résultats de notre travail parlementaire et du programme de Nicolas Sarkozy. Mais une campagne polynésienne aussi, parce que toujours avec la joie de vivre polynésienne, avec les groupes de danse de nos quartiers, avec les jeunes de différents quartiers avec qui nous avons réalisé des travaux de proximité, avec un orchestre de musique locale, et enfin, pour ceux qui ne le savent pas encore, un dîner dansant à la salle Orépignol le samedi 14 avril. L'enjeu de cette élection présidentielle, au sortir de la présidence séparatiste d'Oscar Temaru, c'est bel et bien notre avenir au sein de la République. Du 29 juin, créé en 1985 par le président Gaston Flosse. C'est une heureuse initiative, une initiative qui s'imposait. Tous les autonomistes leur sont infiniment reconnaissants à tous les deux. Aux côtés du drapeau polynésien, du sceau du pays et de notre hymne, Papa Été fait donc partie depuis le 29 juin 2006. Des éléments de l'identité reconnue de notre pays. Le 29 juin 2006, nous avions effectivement inauguré cette nouvelle place de la capitale, la place de l'autonomie. Et ma coach tout à l'heure me disait qu'il faudrait aussi un nom tahitien pour cette place de l'autonomie. Nous avions également érigé la stèle dédiée à l'autonomie. Nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire de ces nouveaux éléments de notre identité et de notre patrimoine que constituent cette place et cette stèle. Certes, la place et la stèle dédiées à l'autonomie sont nées dans la douleur. Effectivement, je me souviens l'année dernière, j'étais arrivé par Ertitimoué en pleine nuit et malheureusement, on m'a appris qu'il y avait un case qui était commandité par certains de nos amis de l'époque. Et heureusement que la sagesse a pris le dessus sur ces comportements quelquefois malheureux.
Et donc, je suis très heureux aujourd'hui. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris un temps. Je me suis dit, si je prends encore un crédit, on ne sait pas s'il peut arriver. Permettez-moi avant tout d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes de la catastrophe qui nous a frappés voici 10 jours, ainsi que pour leurs familles. Ces familles ont besoin aujourd'hui de tout notre soutien et de notre réconfort pour essayer de se tourner vers l'avenir.
en mémoire de tous ses faits, amis, connaissances, dont plusieurs d'entre eux étaient en mission pour construire la Polynésie de demain. Aussi par l'organisation de nombreuses rencontres sportives interquartiers. Et cette rénovation du stade Willy Bambridge illustre aussi trois autres préoccupations majeures de la commune de Montpellier. Tout d'abord, la volonté de travailler pour notre jeunesse, notamment en mettant à sa disposition des équipements sportifs et de loisirs pour que nos jeunes respirent et se relâchent. Il s'agit aussi, en les intégrant par les valeurs du sport, de favoriser la cohésion sociale. Le papier était de demain. Vous allez avoir le privilège d'assister tout à l'heure à la signature des accords de propriété. Nous sommes un certain nombre d'élus qui avons décidé de nous rassembler pour servir la collectivité de propriété. Et vous verrez, en parcourant le document des accords de propriété, il y a plusieurs notions qui apparaissent. Il y a un mode de gouvernance que nous voulons tourner autour des valeurs, des notions d'intégrité, d'humilité, de rassemblement, de respect de l'autre, de tolérance. Autant les anciens l'ont porté en eux et ont construit une société relativement harmonieuse, autant les temps difficiles nous ont amené une situation délétère, une situation complexe. Et je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que nous construirons le papier de demain avec ses valeurs. C'est la raison pour laquelle, en tant que tête de liste de Yoropopéité, j'ai décidé de procéder à une ouverture pour la mise en place de la liste Yoropopéité. J'ai fait appel à toutes les bonnes volontés que vous voyez ici rassemblées. Et dans la composition de la liste, nous voyons apparaître Polinetia Totatoaya, représentée ici par Jules Tanté Yenfa. Rassembler également autour de ces objectifs aujourd'hui une personnalité du Hereaya, représentée par Myrna Adams. Je suis également très heureux d'accueillir mon ami René Temeharo, président de la Fédération Tahoeira. Ensuite, à l'autre bout de la table, donc, nous avons l'allié historique de Yoropopéité, représenté par Robert Tonso, du Tardila Mitterrand. Fait ensemble, mais c'est à la fois orageant parce que je me sens encore un peu jeune. Et donc, ce n'est pas encore rentré dans l'histoire de Papéité. Ceci dit, il est vrai que nous avons fait un bon bout de chemin ensemble avec honneur et avec fierté en concernant toute l'équipe du Tatila Notero que je remercie puisqu'ils sont avec moi aujourd'hui. Et donc je remercie Tavana parce que aujourd'hui il fait preuve d'une autre mentalité, je crois, que nous avons tous observé depuis quelques semaines. Je suis soutenue par mon président Gustave Tapdou, le président du Hereaya, qui me soutient dans l'action que je fais actuellement. Je viens de recevoir un coup de fil de lui. Il m'encourage fermement avec Rosina Moufa, qui fait partie aussi du bureau directeur du Hereaya de Ayaora. Et je suis aussi soutenue par Jean Juventin, qui est le père spirituel du Hereaya Tenun Ayaora, qui est fatigué de ses tiraillements internes
Et aujourd'hui, il m'encourage à travailler avec Michel Guyard pour la population de Papeete. Merci Michel. Effectivement, vous connaissez tous mes relations d'amitié avec Michel, qui sont des relations d'amitié très anciennes, puisqu'il le rappelle depuis les bancs de l'école primaire. Et ensuite, des relations d'amitié, on va dire, professionnelles et politiques, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que nous avons commencé à travailler ensemble. Durant la propriété, j'y étais également, et je pense que, puisque je suis aujourd'hui, j'y ai toujours ma place. À l'époque, lorsque Michel a été, donc, on va dire, en 1995, au cours de laquelle, à la suite de laquelle il a été élu permanent, j'y étais déjà. Je ne dirais pas dans l'ombre, parce que dans l'ombre, ça fait un peu sulfureux. Donc, tous les cas, en retrait. Avec la CAD, et en fait, on voit ce qui se passe dans le quartier. Et j'ai eu la chance de faire des études, etc. Et je me suis toujours dit que pour changer les choses, il fallait les changer de l'intérieur. Et aujourd'hui, on me donne l'occasion de pouvoir changer des choses de l'intérieur. Et à dire vrai, j'étais un peu étonnée parce que dans ma vie, je n'ai pas échangé plus de 10 mots avec M. Michel Guyard. Et j'ai été agréablement surprise et je ferai tout pour en fait, représenter les jeunes, mais aussi bien faire avancer les projets qui nous tiennent à cœur. Ça semble avoir été pour certains une surprise. Tout d'abord, je voulais remercier Michel Guyard qui, il y a quelques semaines, a pris contact avec moi. Bon, je tenais à préciser que ces contacts datent d'il y a quelques semaines puisqu'il a souhaité, il a beaucoup insisté sur ce point en disant qu'il souhaitait cette rencontre avant le premier tour des élections territoriales. Et depuis, je crois un peu plus de 3 semaines, je crois, nous sommes en discussion, nous dialoguons en tout cas, et nous avons abouti en fait cette semaine à voilà, cette entrée, pas que de Nicole Bouton, puisque c'est également une composante politique de Noé Tenouma, au sein de Yaora Papé. Donc ce seront 3 personnes, 3 membres de Noé Tenouma qui seront présents sur la liste défendue par Yaora Papé dans le cadre de ces élections communales. L'efficacité de doute à cela, ça fait que ben, une grande décision, se dire bon, en tout cas, j'ai voté une conquête politique. Et par le côté, tous les aspects d'intérêt, donc quand on est de la politique, mais quand devant nous, dans l'aspect de l'information du cadre de vie. De bien vouloir se réunir dans quelques minutes sur le perron de l'hôtel de ville pour la photo de famille. Et avant cela, j'invite M. Charlie Pittman à prendre place pour prononcer notre prière de clôture. Et après la prière, vous êtes tous conviés à un rafraîchissement qui est servi dans la salle annexe des mariages. Donc, après toutes ces informations, et ayant épuisé l'ordre du jour, je déclare la séance close. Malou. Oherema, Marou Maite, qui a trouvé à Fafarele, à Tato, qui est un peu près. Mana Maite, Mana Oawa, Mana Hana Hana, qui a Fafarele, à Tato, qui est à Tato, à Mouti Amana. O te amui mei ke tui tata tōne whanaka maruru mei te te atua. Te ie whaoti a whuwharoa tau tui whaoti, te harmei whahanahana ai tō tatou. Te iho mahana te piti ahuru maiwa no tiumi.
Chers parents qui êtes là, chers amis, bonjour. Bonjour. Les enfants, le personnel et moi-même, nous sommes très très honorés de vous compter, de vous savoir parmi nous aujourd'hui. À l'occasion de cette cérémonie officielle, institutrices qui ont pris leur retraite, qui l'ont aidé dans ce projet. Alors, au conseil municipal également, nous avons beaucoup d'institutrices et d'instituteurs qui ont pris leur retraite. Et je vous assure qu'elles sont toujours très très actives, enfin du moins, ça concerne les femmes, mais il y a un homme également qui s'occupe de l'éducation à propriété. Il s'agit en l'occurrence de notre ami Roméo, qui est aussi lui très très actif. C'est sûr, il y a un...
Taet mo tuahine maruru mai te to tato amuira mai te ye nei mhana te tiane mo ya uto te ye mhana te apora uire popete tanu ato ato mo fer we hupat uire o te rohi mai no te fa no mai te ai tato ne tapuro hupa no te ye nei hana. Thank you.
Le lendemain même, rencontrer Nicole avec les membres du conseil municipal, où bien sûr elle a pu expliquer son programme. Voilà. Et puis maintenant, je suis persuadé que tu seras premier dans les élections. Permettez-moi d'abord, au nom de Louise Pelzer, qui est ma suppléante dans ces élections, à mon nom, de remercier naturellement tout d'abord Michel. Mon ami Michel, qui aujourd'hui est un peu la raison de cette rencontre, et surtout le remercier pour son attention particulière. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Je voudrais aussi en notre nom vous remercier toutes et tous ici pour avoir accepté que l'on se regroupe tous autour d'une table et partager ensemble un repas qui sera, je l'espère, le repas des retrouvailles, Michel. Mais surtout le repas de l'amitié. En fin de compte, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, d'essentiel. C'est que même si nos routes des fois ne convergent pas, mais qu'à un moment donné qu'on puisse s'asseoir tous et puisse se dire en fin de compte, basta, nous sommes en Polynésie, et on pourra vous autour du Tahoeira Huiratira. Mais nous avons gardé en effet notre amitié, et c'est au-delà de l'amitié, c'est de l'affection que nous avons l'un pour l'autre. Donc il m'avait rassuré dès le départ, et puis au moment où nous avons commencé à tourner sur propriété, j'avais en effet ressenti au travers de certains adjoints, qui sont d'ailleurs ici, présents, des consignes qui avaient été déjà données par Tavana pour orienter un petit peu les choses au niveau de propriété. N'empêche que j'en ai jamais parlé, même mon président à un moment donné, me disait que je rêvais, mais tu te rends compte, Michel va se prononcer, tout à dire, ok. Et les mots du Seigneur sont impénétrables. Et puis le Seigneur, il a autre chose en tête que les élections. Alors, il est fidèle, cet homme est fidèle à sa politique. Et il va continuer jusqu'au bout. Et vous savez vu que la semaine dernière, il a déjà mis Hollande, François Hollande, à contribution en faisant poser la question par la conférence des pays non alignés sur la décolonisation de la Polynésie. Donc, il ne lâchera jamais. En d'autres termes, si l'année prochaine nous choisissons, si la population, si nos amis choisissent la voie de l'indépendance, cette indépendance elle va nous arriver plus vite que prévu, puisque la prochaine majorité sera composée d'au moins 40 représentants à l'Assemblée. La loi, elle est faite comme ça. 20 conseillers, 20 représentants en prime, et le reste sera apporté par la majorité. Vous avez bien compris que plus rien ne pourra arrêter cet homme. Donc on se battra avec toi, et en tous les cas, je m'engage devant tes amis aujourd'hui pour qu'ensemble nous menions cette campagne. Bon, moi j'ai une dette envers le Tahoeira Huiratira, j'ai perdu Pinel, je m'occuperai de Pinel naturellement, mais je ne me mettrai jamais au travers de notre maire. Au contraire, il peut compter sur moi. Et je ne vous cache pas
Je ne vous cache pas que certains de nos amis sont là, Charlie est là, qui a suivi un petit peu notre campagne. Mais nous avons intégré le fait que en 2014, nous allons nous retrouver tous ensemble, avec Michel. Et je tiens à vous dire cela parce que, comme dans toute chose, les relations d'amitié, c'est il faut être deux d'abord. Et lorsqu'on est à deux, il faut savoir renvoyer les choses parce que sinon, c'est donc que dans un sens et ça ne marche jamais. Voilà mes amis, merci beaucoup pour votre amitié. Aujourd'hui, on fait front à certaines attaques que vous estimez injustifiées. La vérité, tout le monde s'en va de la vérité, on est en train de tuer la vérité. Mais ce qui représente une difficulté pour nous, ce sont des amis qui nous accusent d'avoir favoriser la mort de Pompé. Mais en fait, ça c'est pas grave. Pour nous, il s'agit avant tout de mettre en place notre liste. J'ai supporté. Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Lui, je veux qu'il soit sur ma liste. C'est la liste à Michel Bouillard. C'est pas la liste du Tahoueda. C'est pas la liste de l'ATP, c'est pas la liste de l'Italie, c'est la liste de Michel Bouillard. Alors, ceci étant posé, évidemment que dans nos débats au sein du conseil municipal, il y aura une dominante à Bouillard. Le vote, mais il n'est pas là. Et quand je disais que j'ai pas de leçon d'orangeade à donner, à recevoir, c'est parce que je suis Tahoué. Il n'y a personne qui peut se lever aujourd'hui pour dire ouais, je suis plus Tahoué que toi. Ça, je lui fais ça. Vous me comprenez? Je lui dis ça. Elle me dit. Moi, je suis Tahoué, je suis né Tahoué et je reste Tahoué. Surtout les quartiers. Par exemple, moi, quand j'ai accepté que Martha soit sur notre liste, on applaudit Martha. Alors, Maréva m'a dit oui, elle s'occupe bien, elle fait la parade, elle s'est occupée de la couture pour faire venir. Bon, quand tu as parlé l'autre soir, tu as parlé de ton quartier. Tu as raison. Mais il faut que tu penses demain à l'ensemble de la ville. Ça, c'est important parce que tu n'es pas que dans ton quartier, parce que tu vis pour l'ensemble de la ville. Donc, je vous demande de rassembler autour de vous des amis. En général, alors ce sont des sociaux professionnels, ce sont des gens de quartier, mais les gens ont qu'ils avaient confiance. On peut facilement rassembler une centaine de personnes. Et on aura notre soirée qui se tiendra du côté de la boussole. Oui, parce qu'on a envie d'aider le petit jeune de la boussole établi. Qui s'est proposé pour nous aider également. Donc, c'est un échange de bons procédés. Mais voilà, on sera à la boussole. Alors, j'ai déjeuné avec Patrick. Et donc, l'orchestre sera l'orchestre des vieux. Si vous êtes venu à la soirée du livre de Michel, c'est ce groupe-là qui sera là. Avec Adrien, bien sûr, hein, c'est Adrien. C'est un grand musicien aussi. Hein. Michel, Roland, c'est pas politique, c'est pour mon ami. Vous savez que c'est mon ami d'enfance. Hein. Voilà, Michel.
sein de la mairie. Donc dans les bureaux administratifs, donc, on les a relogés. Donc on sait de quoi on parle quand on parle de cohésion sociale. Les gens jeunes, ben, je travaille un peu, je suis passé, je travaille à l'État, je suis en musique. Les gens d'offres jeunes, Amadoua, Elinda, Georges, Christian et Nadia. Donc on a choisi voilà, de se lever et de participer dans le nouveau, de la classe politique. Suite après au soutien de Michel Bueur, à Edouard Fitch, un soutien clair, franc, d'autres législatives. Et aujourd'hui, il est normal que je me retrouve avec le Paroda et Michel sur la liste. Évidemment que nous, on avait nos intérêts à défendre aussi. Alors, on a essayé d'arbitrer, puis Joanna a toujours su intervenir pour le bien de la population. Et ce que disait à l'instant Bruno, c'est intéressant à relever parce que c'est à lui que je pense pour réaliser la promenade de Papeava. Je lui confiais le dossier Papeava. Alors, peut-être imaginer de la couvrir, planter des fleurs, avoir des petits snacks. Je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose de bien dans ce quartier, surtout le quartier Vénimie. Alors, on a aussi l'intention de construire des équipements sportifs avec des maisons de quartier. Et ça va apporter un plus au quartier Vénimie. On peut bien imaginer une couverture de la Papeava jusqu'à l'embouchure. Et plutôt que de laisser la Papeava comme ça dans sa boutique. Et il a les copains qu'il faut au ministère. Il a les copains qu'il faut au ministère. Qui a voulu le Bénin? Personne? Ah, il y a une femme de jeunes là derrière. Ils n'ont même pas réagi. Et qui a voulu Alex Allemand? Ah, ouais, toujours la même table. Donc on va chanter lui, Alex Allemand. Et c'est fatigant, et non, allez, c'est pas au travail. Alors, derrière
d'écouter Claire Bon, que je vous demande d'applaudir. Donc on va d'abord laisser Réa chanter. Non, on n'a jamais fini. Donc, ça y est, t'es allongé. Alors, je vous demande d'applaudir Claire Bon. Mais moi je suis un méchant comme toi, j'encaisse des loyers, je sais pas combien ça. Qui peut chanter mieux que Claire? Non, pire.